Alors, au cours de cette vidéo, nous allons voir une autre manière de piloter le VRM. Donc, nous avons toujours un bouton poussoir rentrée VRM qui actionne la sortie rentrée VRM, un bouton poussoir sortir VRM qui actionne la sortie sortir VRM, et ces sorties sont les bobines d'un distributeur. Donc, notre VRM est rentré et nous allons concevoir un IHM à l'aide d'images. Donc là, on va sur ce bouton, Images, Images, et nous allons insérer une image. Alors, l'image, je suis allé la chercher ou la dessiner, peu importe. Donc là, je clique sur l'image du vérin rentré. Et maintenant, je vais définir ses actions. Donc, lors de l'appui, le vérin est rentré. Donc, lorsque j'appuierai sur cette image, il faudra que ça se fasse sortir le vérin. Donc, je vais sur marche momentanée. Et la cible, ça sera BP sortir vérin. Quand est-ce que cette image doit être visible? Lorsque le vérin est rentré. Donc, activer l'animation de visibilité. Et ceci, lorsque le capteur vérin est rentré. Ok. Par-dessus cette image, je vais rajouter une image d'un vérin sorti. Donc, appuie ce vérin, puisqu'il est sorti, lorsque j'appuie dessus, c'est pour rentrer le vérin. Donc, BP rentrer vérin. Et cette image ne doit être visible que si le capteur vérin est sorti, enfin est actif. Très bien, lançons la simulation. Donc, on a l'image du vérin rentré, le vérin est bien rentré. Si j'appuie. Ah, j'ai une image d'un vérin sorti et sur la PO, le vérin sort.